serez pas Jean-Claude Van Damme. Vous êtes Jean-Claude Van Damme, mon idole. C'est écoutez, pas possible. Je suis assez fatigué et... Ben, commencez pas à jouer à la grande star ici, s'il vous plaît. L'événement du siècle, je peux enfin vous parler. Et qu'est-ce que vous me faites, là, dites? Laissez-moi vous parler, reposez-vous, mais laissez-moi vous parler. Fermez les yeux, mais laissez-moi vous parler. Ok. Mais de toute façon, quand je vous vois sur les écrans, là... De toute façon, vous êtes différent, je dois vous le dire, vous êtes vraiment différent. Ah bon? Vous êtes mieux à l'écran, ça je vous le dis. Et vous êtes beaucoup plus sympathique à l'écran. Parmi les grandes stars du film d'action des années 80-90, il faut forcément citer Jean-Claude Van Damme. Déjà, le fait qu'il soit belge francophone et qu'il ait fait une carrière aux États-Unis, c'est vraiment impressionnant. C'est un des rares artistes européens, en tout cas d'arts martiaux, qui a réussi à s'être imposé sur le marché international. Et non seulement il a fait une carrière aux États-Unis, mais c'est carrément lui qui a réussi à faire venir John Woo, le maître du film d'action hongkongais, à Hollywood en fait. The first Chinese director who's like the Steven Spielberg in Hong Kong of the action movie, and I'm very proud to bring a guy from outside and to do a movie with him, and he's simply fantastic. Parce que John Woo, son premier film en Amérique, c'est Chasse à l'homme avec Van Damme, produit par Sam Raimi à l'époque, et qui reste encore aujourd'hui un des meilleurs films de Van Damme, un gros nanar qui explose tout et qui est vraiment très bien réalisé. Mais malgré tout, Van Damme, c'est pas juste une star du film d'action. C'est aussi quelqu'un qui, d'une manière ou d'une autre, a marqué les esprits par sa façon très particulière de s'exprimer. Moi, ça m'arrive aussi parfois de ne pas trouver mes mots en français, puisque comme je suis constamment en train de parler anglais, parfois j'oublie un peu de vocabulaire. Et lui, c'est pareil, quand il disait à un moment « Moi, je suis complètement aware », tu vois, les gens ont commencé à se foutre de sa gueule. « Je suis aware, je me suis réveillé. » Et quand tu te réveilles, tu te dis « Mais qu'est-ce que je fais dans ce... » Et tu peux réussir. Et d'ailleurs, même moi, à l'époque, je n'avais pas résisté et j'avais acheté le livre « Parlez-vous le Jean-Claude ». C'est vrai que ce qu'il dit, c'est pas forcément complètement débile, mais la façon dont il le dit, bien sûr, porte un peu à sourire. Je prends une page au hasard juste pour le fun. Une noisette, je la casse entre mes fesses, tu vois. C'était pas l'exemple le plus approprié. Allez, ça c'est pas mal, par exemple. Il y a la douleur physique, primaire, et la douleur mentale, qu'on se rappelle les souvenirs de la vie. Et puis, il y a le spirit, qui lui n'a aucune douleur, puisque « The final conclusion of spirit is perfection ». Une phrase complètement bilingue qui ne veut pas dire grand-chose, mais si on l'analyse, effectivement, il dit qu'il y a différents traumatismes, et c'est intéressant que je sois tombé sur cette phrase en particulier, parce que, justement, après qu'on se soit tous foutus de sa gueule d'une manière ou d'une autre, le pauvre Jean-Claude, en fait, il a commencé à vraiment perdre les pédales et de plus en plus, il s'est mis à tourner des gros navets directs en DVD et dont il a accepté le premier rôle juste comme un contrat alimentaire, en fait. Et en 2008, il revient sur le devant de la scène avec un des meilleurs rôles de sa carrière, celui de Jean-Claude Van Damme lui-même, dans le film JCVD. C'est vraiment un film qui est à part dans sa carrière et qui a démontré non seulement qu'il savait encaisser les coups et reprendre du poil de la bête, mais en plus c'est probablement son meilleur film en tant que comédien dramatique. Ça commence en fait, il est en train de tourner un film avec un jeune réalisateur hongkongais. Le mec il se fout de lui, il dit « c'était peut-être une star dans les années 80-90 avec John Woo et tout ça, mais maintenant c'est un gros has-been qui sert plus à rien quoi ». Jean-Claude Van Damme il est dégoûté, il rentre chez lui en Belgique et... les problèmes ne font que commencer. Parce que déjà, il a du mal à conserver la garde de sa fille, donc problème juridique. Il a des soucis d'argent, donc problème financier. Et en plus, il veut retirer un chèque, donc il se rend à la poste. Et la poste se fait braquer pendant qu'il est au guichet. Or, il y a un flic qui a vu entrer Van Damme. Et après, il entend un coup de feu, il regarde par la fenêtre et il voit Van Damme. Et il se dit, le mec, il a complètement pété les plombs, sa carrière est foutue,
Du coup, il est en train d'attaquer une banque. Les flics s'amènent, ils croient tous que c'est Van Damme qui est en train de cabrioler la banque, alors que lui, il est pris en otage avec tous les autres, et là je vous en dis pas plus. Par rapport au scénario, il faut savoir que seulement 30% des dialogues avaient été écrits à l'avance. Les 70% restants, c'est donc les acteurs qui improvisent leur conversation, leur dialogue, face à la caméra. Le film n'est pas hilarant à s'en tenir les côtes, mais on sourit de bon cœur, et ça fait plaisir de voir Van Damme se moquer de son image, en fait. T'as des projets, sinon ? Pas pour l'instant. Attends, j'ai vu un truc là sur le net, là. Comment ça s'appelle Purple Amulet. Ouais. Purple Amulet. Ouais. Alors, c'en est où ça? C'est Steven Seagal qui a pris le rôle. Hein? C'est Steven Seagal qui a pris le rôle. Steven Seagal? Ouais. Attends, t'es 100 fois meilleur. Ah, ouais. Mais il a coupé sa ponytaire. Hein? Sa quoi? Sa couette. Sa couette? Sa queue de cheval. Ah ouais. Pour la première fois, hein? Ah ouais, là c'est dur, quand même. Je fais con. Pour autant, c'est pas un film où il fait le clown en parlant à moitié français, à moitié anglais et en débitant des proverbes qui veulent rien dire. C'est vraiment un rôle qui le rend, au contraire, très humain et surtout vraiment touchant. Et à un moment, il y a un truc en fait qui se passe et il brise le quatrième mur pour s'adresser directement au spectateur. Il en profite dans un monologue qui dure entre 5 et 10 minutes, je sais plus exactement, pour se confesser face caméra et en s'exprimant sans tabou sur ses ambitions manquées, ses échecs de carrière, sa chute dans la drogue pour s'en sortir, ses problèmes personnels. Et c'est extrêmement touchant parce que c'était pas écrit à l'avance du tout. C'est Van Damme qui a écrit son propre texte à ce moment-là. Il est bluffant d'honnêteté et d'authenticité. Au niveau du casting, ensuite, il y a François Damien, un acteur belge qui est vraiment génial, qui a fait beaucoup de comédies et de drames. Il a fait notamment La famille Bélier, par exemple, mais aussi des films de Danny Boone comme Rien à déclarer. Tu veux pas prendre mon boulot ? Mais toi, tu vas fermer ta gueule, hein ? Parce qu'il y a les petits tipis, ils vont débarquer. Hein. Allez, dégage. Et en parlant de Danny Boone, il y a un acteur qui revient souvent dans ses films, c'est Zinedine Soualem. Et c'est lui, dans JCVD, qui joue le méchant de service, le braqueur de banque. Tu connais des gens à qui ça pose pas de problème d'avoir la mort d'un gamin sur la conscience. Ouais. Il a une coiffure assez particulière et son style capillaire qui est assez remarqué pour ce genre de production parce que bon, c'est pas choisi au hasard quoi. Eh ben, j'ai pas la confirmation, mais je suis certain que c'est une référence au personnage joué par John Cazale dans Dog Day Afternoon. Une après-midi de chien, donc un film de Sidney Lumet des années 70, parce que JCVD et Un après-midi de chien, c'est deux films sur des braqueurs de banque qui se retrouvent enfermés avec des otages toute la journée, et c'est filmé de façon très réaliste, très documentaire, et je suis sûr que c'est pas anodin. Donc pour résumer, JCVD, un des meilleurs rôles de Jean-Claude Van Damme à l'écran, et c'est à la fois une comédie drôle, touchante, intimiste, mais avec un acteur extrêmement lucide qui nous dévoile un pan de sa personnalité rarement vu au cinéma. Voilà. Ça c'est important parce que je comprends pas. Quand tu dis t'as pas besoin d'un flash quand tu photographies un lapin qui a déjà les yeux rouges. Faut ma gueule ou quoi? Non, c'est toi qui l'as dit. Bon, écoute, c'est très simple, tu retournes à ta place, là. Même pas tu retournes à ta place, tu t'en vas, je veux plus te voir. Je garde ta photo, ton CV, tes tricards, tu t'en vas s'il te plaît. Allez.